Re les gens. Donc nous allons reprendre où nous en étions arrêtés juste avant que j'aille manger, c'est-à-dire à Shangri-La. जो भी था जानता था कि मैं आ रहा हूं। राजा, मेरा परिवार, किरत ने मेरा जीवन दूर किया देती। जैसे मैं किसी अवचेतन अवस्था में हूं, मैं शंग्रीला को बुराइयों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध था। वापस लौटना कोई विलाप नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सब पीछे छोड़ना था। Avec ma flèche. Viens là, petit ami. Tout le monde m'a enfilé. Non, je comprends pas. Ça va me permettre de balancer plusieurs flèches en même temps.
monte. Va me bouffer cet enfoiré. गिरे हुए खोजकर्ताओं को देखकर मेरी इच्छा हुई कि काश ये शेर अपना इतिहास बता पाता। मैंने सोचा कि क्या युद्ध में इनमें से कोई व्यक्ति उसका सहयोगी रहा होगा। जहां वो असफल रहे थे, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी?
Augmente au fur et à mesure, mais jamais en excellent, quoi. Toujours en acceptable de merde. C'est relou.
lance. Je vois donc un pétard. Bonjour le chien. Il a bouffé le sénateur déjà. Cool. Ça c'est un bon tigre. On se soigne et on fait tourner. Putain, je vais crever. Non, j'ai pas capté tout à l'heure, il est descendu plus bas. J'ai pu passer dessous. Ah, d'où le fait où donc j'ai pas pu prendre le truc pour me remonter après. J'appuie sur A pour me poser.
Quoi? Qu'est-ce que tu fous là, lui? Oh, c'est une barre que j'ai mis. Oh mais vas-y, n'importe quoi. Oh mais c'est juste une petite feuille, une petite branche à la con, même pas solide, pas chier quoi.
Ah, il y a eu un papa dans le coin là, mais putain. Jeu de merde quoi. Oh, allez, lâche-le. Non, je pensais pas que je l'aurais. Oh, bonjour messieurs. Wow, c'est quoi le vieux bug là sur la minimap? Ça fait mal aux yeux. J'en ai vraiment. Bon. Je
Adidas. Bon, qu'est-ce qu'on a à vendre par là? Oui, j'ai vraiment de la thune en moins, c'est cool ça. Ça. Truc à 28 000, 13 000. Bon, hein, tout ce qui est en dessous de 30 000 a l'air d'être parti, on va dire. Ouais. C'est nickel. Bon, bah maintenant on va aller revoir Willis. Je crois qu'on va d'ailleurs se TP, on va pas se faire chier. Hein. Se TP à l'aéroport, continuer la quête de Willis. Niveau progression, c'est pas mal. Non, non, là faut faire des missions principales. Journal, chouette. Quand on va faire un temps dans l'Himalaya, bon, c'est parti. Ouais, on a les bonnes armes. Hey Jay, tu tombes bien, j'étais en train de terminer. Ça y est, ce sera ton dernier job. Tu touches enfin au but. Allez, monte. Jette pas ça, je viens de boire 2 litres de café, je vais en avoir besoin. Putain. Je vais t'apprendre 2-3 trucs, mais ce sera pas joli joli. Ton père voulait tuer ta mère parce qu'elle était sur le point de tout laisser tomber. Le sentier d'or, le kirat, la cause. Quoi? 1. Ta mère était une Hakuna Matata ou je sais pas quoi qu'ils disent pour appeler les petites filles. 2. Ta mère espionnait Pagan alors qu'elle l'aimait bien. 3. Ton père était un patriote et je connais aucun patriote qui soit pas un enfoiré de première. Et pour le reste... Faut qu'on se débarrasse d'un autre lieutenant de Yuma. Je dirais bien Joshua Nolan la voix. Bon. Encore le temps de machin. Après avoir sauté. Une suite, ça je sais. Ah, c'est ça, je me suis une suite. Putain de merde. Bon, comme c'est parti, mon kiki. Avec ton coup que tu voudras. Yuma pigera le message. Willis, terminé.
Et putain de bug de sa mère. Allez, ça fait longtemps. Ah et bah c'est parti pour relancer hein. Me gaffe ce jeu de merde. Ubisoft, hein, des branquignoles sur pattes quoi. Ouvre-le en deux, avec ton couteau ou ce que tu voudras. Yuma pigera le message. Release terminé. Ça continue perso moi. Ubisoft, tu vois. Maintenant franchement avec le cul sont des merdes, des jeux de merde. Hey Jay, je plaisantais pas, je disais de l'ouvrir en deux. Un de son corps intact, les explosifs feraient trop de dégâts. Y aller au couteau. Est un peu dégueu, un vrai. Mais pourquoi faut que le corps soit intact? Oh, AJ, m'oblige pas à te mentir. Même à le jour où ils ont produit des jeux pour Xbox One et PS4, on verra. Franchement, Far Cry 3. Là, quoi, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est n'importe quoi. Merde, quelques secondes pas, j'ai doublé en une balle. Ils ont vu le corps de l'autre. Thank you.
4 gens qui regardaient son parti. Est-ce que le critique est le jeu le plus merdique de Assassin's Creed et que c'est des vieux fans et des jeux de merde? En même temps, il y a tellement de crétins sur Terre. Tu me disais que Maître Gims, il fait de la musique trop mortelle, tu vois, c'est de l'abruti, mais il y a des millions d'abrutis qui aiment bien. Assassin's Creed, c'est pas... pas parce qu'il y a des millions de gens qui jouent que c'est bien. Hein. D'Expandable, ou même de... Donc là-haut. De fin... merde. De Fast and Furious, un jeu complètement moisi, quoi. Des films complètement moisis. Des millions dans l'office. Les gens, il y a des millions dans sur Terre. Comme ça, on n'est pas rien. Les gens ne savent pas faire la part des choses. Tu donnes un avis sur quelque chose. Quand c'est eux, il faut le prendre pour argent comptant et rien dire. Mais quand il y a d'autres personnes qui donnent un avis contraire de eux, tout de suite, c'est des cons, machin, on se barre, etc. Quand eux ils donnent un avis contraire à toi, c'est normal. Plein de gens comme ça aussi. Les barres d'aussi loin, il peut me voir. Oh, mais moi j'ai pas besoin d'abrutis qui me regardent. Je pense que les gens intelligents. Donc, s'il y en a qui sont pas assez objectifs pour admettre certaines choses et puis qui préfèrent se barrer, préfèrent m'avoir écouté, bah qu'ils se barrent. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui parle pas quand il joue. Parce que moi je suis pas que là à dire des conneries, j'ai autre chose à foutre. Je parle du jeu et de mes vraies pensées. Si ça dérange les gens, bah, tant pis. S'ils savent l'accepter, tant mieux. Ouais, ils sont peut-être juste partis parce que la qualité est médiocre en ce moment, ça me saoule. Connexion de merde, et puis voilà. Et puis ils font pas gaffe à ce que disent les gens. La plupart du temps, c'est ça, quoi. C'est... tu donnes une opinion qui leur plaît pas. Alors... là j'en ai l'air bien. Désolé si je suis quelqu'un qui a ouvert les yeux depuis longtemps, quoi. Qui prend un abruti et qui croit encore au Père Noël.
sous-entendu le caillou ou... que j'ai pas vu là. L'autre il se retourne quand il faut pas, putain. Je me mets au loin en snipe.
baiser la gueule. Rien à signaler. Il a filé d'ici. Willis, je l'ai eu. Prends-le en photo, tu veux bien? Le boss veut une preuve. Ok, j'ai sa photo. C'est bien. Retrouve-moi en bas. Bonne balade. Ça pue. Et il avait sorti le parachute. Tu te fous de ma gueule. Oh là là, faut que je le refasse. C'est dur, mais c'est relou quoi, je l'avais fait, merde. C'est un magnifique foutage de gueule quoi. Ah, c'est ça que t'aurais dû faire la première fois, putain. T'as éliminé la cible? Ouais, je l'ai fait. On s'occupe de Yuma maintenant? Grimpe. Considère ces informations comme ton dernier paiement.
En fait, je t'ai fait tuer des contacts de la CIA. On fait le ménage. Paga ne représente plus un danger potentiel pour les États-Unis. Fallait qu'on efface notre trace au pirate. T'as fait un sacré bon boulot! Alors tout ce que vous m'avez dit, c'est des conneries? Ce que je t'ai dit sur ton père et ta mère, non, c'était vrai! Ce que j'ai pu te dire sur Yuma, t'auras qu'à lui demander! Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Désolé, fiston, mais je te l'ai dit! Tous les patriotes que je connais sont des enfoirés! Fils de pute. J'aurais dû la faire, la mission de s'abaler à mi-temps, en fait. Avant de continuer avec... Tu lui as laissé le sac sur la tête ? Bon, il a de l'air. Est-ce que tu as percé des trous pour qu'il ne s'étouffe pas, au moins ? Coucou ! Tu t'es bien amusé Coucou, fils de chien. Bienvenue à Dourgesh. Désolé pour cet accueil un peu spartiate. Mais tu nous as bien fait chier, pas vrai ? À traficoter partout avec le sentier d'or. Et ce pauvre Paul, tu ne digères pas ce qu'il a fait à ton petit camarade, hein? C'était quoi son nom? Du gland, du con, du schnock? Qu'on en finisse. Désolé que tu t'ennuies. Mais laisse-moi le préparer en douceur. Je vois qu'en plus, il va le traumatiser. Dans le move, là, il a les cheveux moitié roses, un peu comme. Comme tu veux, tu l'as vu, il respire encore. Costume de Pagan. Maintenant, va-t'en, moi j'ai du boulot. Bien. Mais je le veux vivant, avec tous ses membres intacts. Une dernière chose. Bon, AJ, je sais bien que c'est dur, mais considère ça comme de l'amour vache. Après tout, tu as une suite avec une vue imprenable. Oh, et un dernier petit conseil. Ne t'endors pas trop près du bord. Allez, pousse-toi. Ce que tu veux, très cher. Allonge-toi. Pourquoi? Allonge-toi, je te dis! Je suis allongé. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, ça? Quoi, ça? Il va sauter et se tuer, tu penses? Non, je crois pas. AJ. Tu rêvais d'une chute? Beaucoup de gens tombent par ici. La plupart ne se réveillent pas. C'est l'effet que cette prison a... sur les faibles. J'étais une araignée. Je tisserais une toile pour descendre. Mais je peux pas être une araignée. Il y en a déjà une. Elle rampe sous la peau. Elle pond des œufs et attend qu'ils s'éclosent. Je hais les araignées. Elles voient tout. Si j'en étais une, je pourrais descendre. Je pourrais descendre.
J'ai pas mal, je sens plus rien. Les murs sont fins. J'ai pas mal, je sens plus rien. Ils passent à travers les murs. J'ai pas mal, je sens plus rien. S'ils t'entendent... J'aurais déjà dû avoir mes règles. Bon sang, j'espère que je suis pas encore enceinte. J'ai un ami qui labourait et qui a été touché par des échanges de tirs. Le peuple qui a creusé cette cité dans la pierre était fort. Des fidèles de Kalina. C'était une grande civilisation. Bien loin des génies qui infestent le Kirat d'aujourd'hui. Oui, à la moitié dans l'Himalaya, à la machine. Je n'ai même pas besoin de retourner plus tard. Ah.
Autrefois, Pagan était mon roi. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Mais ta mère l'a dévoyé. Putain, t'as vu les dents de chez bestiaux, là. J'ai voulu le prévenir, mais il m'a ignoré. Et son amour pour Ishwari a fini par le briser. Pendant qu'ils sombraient dans le désespoir, j'ai enfin trouvé ma voie. Je vaincrai un chasseur, et ensuite, je renaîtrai.
Tout comme Kalina l'a fait en son temps. Et je réussirai là où Pagan a échoué, en bâtissant une grande civilisation ici, aux pirates. Regarde-moi, c'est fait. Fais-toi.
va payer. Amita. Hey. Il est réveillé. Félicitations, tu es l'homme le plus vénard que je connaisse. Je t'ai cherché pendant une semaine en territoire ennemi. Heureusement qu'on t'a trouvé avant que tu meures de froid. Où est Sabal? Probablement en train de faire ce qu'il fait de mieux. Assis dans le noir, à prier ses dieux morts pour que tu reviennes. Ça fait 3 jours que je veille sur toi, mais tu es réveillé et ça a l'air d'aller. Il faut que j'y retourne. La guerre n'est pas terminée. Sabal a au moins raison sur un point. Le Sentier d'Or a besoin de toi. Je suis ravie que tu sois de mon côté. Ouf, est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis de ton côté? Fais une mission pour toi, une mission pour Sabal, une mission pour toi. Bon, t'as l'avantage d'une mission par rapport à Sabal, mais... Faire la même d'abord, Willis. Tu te retrouves
d'abord en tôle, et à mon avis, avec celle-là, là, du sentier d'art, ça va peut-être me faire passer de l'autre côté, enfin, dans le nord. Bon, bah on va se taper là, et puis... Ah non, il y a un désamorçage à faire avant, quand même. J'avais dit qu'on allait faire un petit désamorçage avant. Alors c'est parti pour un désamorçage. Ça, ça fera deux missions dites d'exploration. Après la course, survie, on va faire le désamorçage. Ce sera sympa. Par contre, est-ce qu'elle est arrivée celle-là? Je crois que c'est à partir du moment que j'ai fait Willis, un truc comme ça. Niveau armement. Ah bah on m'a redonné toutes mes armes et tout. Oh nickel. Comme si j'avais rien perdu quoi. Tout est à fond. Après tout est en dessous de 30 000, au-dessus de 30 000, donc c'est nickel. 30 000 et plus. C'est bien au début quand t'as besoin de chasser. Forêt des pots, machin. Maintenant que j'en ai plus besoin des pots, j'ai plus rien à foutre de l'arc en vrai. En tout cas, après, j'ai pas pu one shot les gens à partir d'une heure. Non. Porte un masque, il y a une raison. Il veut que l'ours sache que c'est un rebelle. AJ, je suis content de vous voir. Merci. On sera bientôt plus obligé d'écouter les messages de Mine. Qu'est-ce qu'elles ont de si important ? Elle est jamais tombée, c'est ça. Hey, excuse-moi. J'en suis. Vous pouvez parler un moment ? Mec, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai déjà accepté ton truc. Bon, de toute façon, c'est pas un aigle, on s'en fout.
Ça a l'air loin quand même. Ah, c'est à l'aéroport. Si je m'y TP, est-ce que je peux sortir en douce ou... Genre mieux. Juste falloir faire un bof. Oh merde. Okay. Ouais bon, faut le recommencer. Je pensais pouvoir être plus rapide que ça, mais l'autre il est revenu trop vite.
assassinat, enfin qu'une exécution, je pense que je vais mettre une flèche dans la race. Que les animaux doivent rester au frais. Ils ont des envies de sonner une alerte. Connaissant à travers le grillage, on va pas pouvoir la voir. Merde. Ta gueule. Allez. Tuez tous les rebelles. Oh putain dans mon dos. Des renforts.
Oh, mais t'y vas au corps à corps avant que lui fasse quoi que ce soit, mais il tape pas, ce con. C'est n'importe quoi, va te faire mettre. Attaque quand on le demande. Quand tu le couteau, je sais pas, fais quelque chose, putain. Oh, mais faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. T'as une attaque de corps à corps, elle te sert deux coups pour tuer un mec. Ta mère, t'as vu le couteau que t'as ou quoi? Un coup, le mec, tu le défonces, quoi, et pas seulement en exécution, tranquillou, parce que tu es arrivé dans son dos. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, deux secondes. Il y a un moment, les vieilles arnaques, ça suffit, quoi. Ah, pourquoi ils sont pas alignés, comme par hasard. Ils arrêtaient juste l'un derrière l'autre là, je faisais un double cut-in. Attends, ça tombe bien. C'est celui qui va aller là-haut. Toi. Tac. Ouais, non, je vais attendre, parce que lui, c'est pas vrai. N'importe quoi, et hey, viens pas me dire que j'étais pas dessus. Hein. J'étais à 100% dessus, quoi. N'importe quoi. Contrebas, vous pouvez pas me voir. Tu fais quoi? Le roi Mine me t'attaque.
Ah merde, et puis quand tu en actives une, ça les active toutes. Ouais, enfin le mec est quand même passé à travers au moins deux balles quoi. Puis tu m'expliques comment ils ont pu appeler du monde. Bon allez, c'est tombé. Je passe de l'autre côté, c'est marre. N'importe quoi, franchement. Bah, le gros, quand je l'ai buté, il est quand même caché par les caisses. Comment tu peux le voir crever, t'es... alors que tu regardes pas vers lui. Pff, c'est n'importe quoi. Faut arrêter de se foutre avec gueule du monde de temps en temps, quoi. Maintenant que l'endroit nous appartient, s'il déclenche l'alarme, ça doit pas la déclencher chez les royalistes, mais chez nous. Normalement, l'endroit nous appartient. Ils ont dû au moins faire une dérivation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour appeler des renforts. Et là, ils sont là pour faire péter l'endroit. Donc, c'est là pour faire péter l'endroit, tu te fais pas chier à faire une dérivation de l'alarme pour qu'elle te soit utile, quoi. Mais bon. Comment tu le sais? Parce que pour le savoir, faudrait vouloir la sonner. Pour vouloir la sonner, faudrait que tu sois en alerte. Oh, la jolie doublette, j'ai eu le snipe qui était faisable. On est reparti. Oh bah les gens vous nous faites chier, hein. Chaque fois vous nous demandez pour qu'on parle et puis dès qu'on parle, vous vous barrez. J'ai l'impression. Donc, putain de corps! Ah merde, tu me saoules. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pas capable de me prendre un corps quand on lui demande. Je vais donner ces vieux coups de couteau de merde. Hein. Le jour où ton couteau sera utile aussi, tu pourras les donner tes coups de couteau. Pour le moment, arrête de faire le branleur avec. Mon vieux couteau de mes couilles là, une machin c'est... Pff, limite une machette et t'es même pas capable de one-shot un mec, alors, ramène pas quoi. Enfin je suis désolé, même Call of Duty tu donnes un coup de couteau, le couteau il est 10 fois plus petit et... One shot les mecs quoi. Alors je sais pas, mais là c'est pas parce qu'on fait pas une exécution qu'on doit pas one shot un mec. Un coup de couteau c'est un coup de couteau, normalement ça devrait aller buter point barre.
Même Bad Company 2, t'es arrivé, paf, coup de couteau, le mec t'es obligé de le one-shot. Je suis désolé, hein, t'es censé te savoir t'en servir ton couteau, donc tu vises quelqu'un avec, c'est pas pour lui faire une chatouille, quoi. Ça me gaffe, t'as donné deux coups de couteau pour buter un mec. C'est pas le pire non plus, je trouve, en fait. En face d'un mec, tu appuies sur le coup de couteau, mais ça fait rien. Et lui, genre, il te donne un coup de crosse et ça te fout au sol. Limite, le couteau, il devrait le sortir que quand tu fais une exécution et justement quand t'as l'arc. Et dès que t'as une arme en main à feu, il devrait y aller à coup de crosse aussi et les mettre au sol, tu vois. Et pas juste toucher la nouille là. Bien qu'il remonte à l'étage avec l'autre là, plein. Je fais d'une pierre deux coups. Après, je m'occupe des deux autres en bas, puis je désamorce les deux dernières. Bon, au pire. Yeah.
Putain, j'ai pu tirer à travers le grillage pour une fois. En même temps, c'est une balle de snipe, ça passe pas à travers le grillage. Que je suis venu, que je suis venu en téléportation. Véhicule ennemi, on s'en bat les steaks. Yes.
Si t'étais pas intervenu, je sais pas comment ça aurait fini. Je sais pas comment j'ai sorti. Hey, hey, faut que je te dise quelque chose. Namasté, AJ. Bonjour, mon ami Sherpa. Qu'est-ce que je peux te... Alors, Damonition. Non, je suis à fond. Bon. J'ai les pare-balles, je suis à fond. Bon. Ben. Ça. Et ce sera tout. Ce sera déjà pas mal. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Ah bon, il me reste deux missions à faire. Le choix de d'aider soit Sabal, soit Mita, puis ensuite faire une mission pour le second. Voilà, ça, c'est fait. Chabal, excuse-moi, Chabal. À moins que Charal. Quelqu'un a dû être choqué de ma...
avait un tâteur et je dis PD, PD. Et hop, oh bah merde, y'a plus personne. Ah bah, je dis la vérité, hein. On m'a toujours appris à ne pas mentir. Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. C'est tout ce que tu es. Tu sais qui tu me rappelles. Oh oui, Pagan. Oh, je suis comme Pagan, tout ça parce que j'ai des ambitions pour le Kirat. Réfléchis, j'essaye de nous sortir de tes conneries de tiers-monde. C'est notre histoire, notre culture. Nos traditions. Des traditions? Comme quoi? Marier les petites filles, c'est ça? C'est ça, ton projet pour Badra? Oh, mais vas-y! Vas-y, montre à Edge ce que c'est, un vrai mâle! Je ne jouerai pas à ça avec toi. C'est au tour de nous. Tiens, pour la reine hier, mec. Elle a pas eu le choix. Je sais pas si au final on pourra, mais j'ai remarqué que quand on n'est pas pile à Shanat, le symbole de la reine n'apparaît pas. Ça ne compte pas. Elle va payer, comme tous les autres. Si t'es ailleurs dans la map et que t'es pas à Shanat, c'est va te faire foutre. Donc, c'est le pourquoi du comment. Hier, on ne voyait pas le symbole. Donc, faudra voir ce soir en allant directos à Shanat si ça fonctionne. Je pense que là j'ai encore deux missions à faire pour le sentier d'or, parce que là tu sais j'ai un choix à faire là. Donc Ah non, j'ai pas de choix à faire en fait. Je dois aller à Shanat. Bon bah ça va plus vite. Mais c'est pas normal ça, parce que normalement tu sais c'est dit souvent que tu dois choisir entre. Elle a eu l'audace d'écrire un rapport sur les violations des droits perpétrés par. Pas d'accord, mais. Alors je l'ai contacté. Non, ils sont pas d'accord. Avoir les progrès, ah, comment ils sont pas d'accord. J'ai un enculé. Sa famille. Donc. Elle est donc venue avec ma enfant installée dans le palais. J'avais même. Parce que. Pour elle. Joli PowerPoint. Action en 12 pour les violations. L'homme au Kirat. Non, pas avec les petites putes. Sauf que ouais. Chaque page décrivait la façon avec les petites putes. Dont elle ruine la vie de ouais. Et voilà pourquoi j'ai rappelé sa famille en otage. Et j'ai forcé Nour Nadjar, la grande mère, à dire les régions les plus difficiles de mon Kirat. Et ouais. Bon, de chier, je vais me TP. Donc je vais laisser comme. Je crois qu'elle adore ça. C'est bon, t'as fini de parler. En fait, le Willis, c'est un sale fils de pute. Ouais. Sa dernière, c'est vraiment quand t'arrives dans la prison, quoi. C'est clair. Par contre, oui, oh ouais. Mais attends, t'es en train de te dire qu'au final, les démons de Shangri-La existent encore à l'heure actuelle. Et là, ils sont dans cette prison, là, pour le moment. De toute façon, je crois, à un moment, il y a un des gardes, il le dit, Yuma veut récupérer les pouvoirs de ces mecs-là. Ouais. Bah c'est à cause du... Je pense que c'est à cause déjà de la piqûre quand tu te réveilles, et puis à cause de l'ambiance qui règne à ce moment-là, tu sais. Aussi dans la prison. Mais peut-être... Ouais, mais peut-être qu'elle a des pouvoirs vraiment, parce que l'autre justement il dit qu'elle veut s'emparer des pouvoirs... Trouver le moyen d'entrer dans les coulisses.
Ah bah moi, je suis passé du premier coup, c'était simple à éviter quoi. J'ai l'impression que tu peux pas te faire voir. Pareil. Passe au plan B. C'est courageux d'avoir capturé autant d'avant-postes. Oui, quand tu prends le dernier truc là, t'es puis là, il gueule, tu fais demi-tour et tout, mais après bon, j'ai contourné en passant par le même chemin et à mon avis, tu sais, du genre, il a été voir où il fallait et puis... comment je vais monter là-haut, moi? Chacune d'elles est un souvenir que tu peux observer pour te donner du courage. Ah, putain de feu de merde. Ouais, le taureau fouarté, ouais. Dans le cul fouarté du taureau, moi. Voilà. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a beaucoup de combats sur tout le territoire, du Banachour jusqu'au Yalung. Peut-être qu'il s'agit d'un seul et même combat, en fait. Ah, bébé Harir. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de le faire. Ça, c'est sûr. Ah, ça y est. J'ai visé le grappin. Tout à l'heure, il voulait pas. Je sais pas, parce qu'on est à Sanat qu'on devrait pas avoir les trucs du grappin qu'à part. Je vais finir les deux missions là, puis après je vais arrêter le Twitch et puis on pourra s'amuser tranquillement. Ouais. Ouais, je vais m'amuser avec ton foiré. Ouais, bah tes sentiments, je les prends et je me torche avec, enculé. Après cassoulet. Non, désolé, parce que moi je mâche bien. La poésie. Le cassoulet.
une autre vision de notre pays. Non, c'était là. Assez d'autres guerriers. Personne ne passera. Calme-toi. Tu lâches les loups, les tigres, les ours et le rhinocéros, quoi, tout d'un coup. Allez, boum. Donc le rhinocéros, il va tout dégommer, ça c'est cool. Sérieux, il me voit pas là. Le salaud, il s'est tiré. Fouillez partout. Compris. Fouillez partout. Aïe. Non, 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 non. La fine Wangel. J'aime quand ça one shot. Aujourd'hui, nos gladiateurs se battront avec la rage du désespoir, le
AJ, où est ma famille? Je regrette, Noor. Non! Je regrette. Écoute, Pagan les a fait tuer, il y a longtemps. Je ne veux pas de ta pitié. Je veux ma famille. Je veux qu'on me rende ma famille. Écoute, je suis désolé, mais t'es libre. Libre? Libre de quoi? Des morts que j'ai infligées? De toutes mes actions? Tu l'avais buté, toi, Noor, non? Je leur ai donné le goût du sang. De ton sang. Du mien. En fait, en plus, t'attends vraiment quoi? 3 secondes et puis elle baisse le flingue, en fait. C'est vraiment t'as tiré vite sans le vouloir. Parce que t'attends, ouais, à peu près les 5 secondes et puis en fait, il rebaisse son flingue aussitôt, quasiment, après qu'il l'ait sorti. Mais de toute façon, ça revient au même. Parce que si tu la butes pas, là, en fait, t'as fait... T'as te demande pour sa famille, et en gros, tu lui dis que Pagan l'a fait tuer il y a perpète. Et, bah, elle se met à chialer à moitié. Ensuite, elle te pique ton couteau, elle s'ouvre le bras, hop, elle te rebalance ton couteau à tes pieds, puis elle se met dos à la reine, puis elle se laisse tomber, elle se fait bouffer par les... par les animaux qui sont dedans, quoi. Ouais. En fait, dans tous les sens, ils finissent par crever, les mecs. Parce que soit tu butais directos, pareil, de pleurs, je crois. Soit tu l'amènes comme on a fait. C'est fait. Je pense qu'il les bute à la fin, vraiment. Bravo, Eddie. On tient complètement le sud maintenant. T'as montré au peuple qu'il doit suivre la voie de la liberté. Il est hors de question qu'on recule. Quoi que puisse en dire Sabal. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une mission pour Amital. Allez, où? Ah, il y a... Yugi et Reggie qui sont de retour. Et encore un désamorçage. Oh, bon, il y a encore... quand même. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter. Je parle des amorçages la prochaine fois et puis j'enchaîne sur Yugi suivi d'Amita. Allez hop. Allez hop. Je vais plus la récupérer.